لما نزل بقى ناصر ماهر في نص الملعب. بس أستاذنك معلش يا كابتن حماد، نشوف كارترون قال ايه في المؤتمر الصحفي. نرجع له. نشوف كارترون قال ايه في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الاهلي وحرس الحدود اللي نهى الاهلي بهدفين عن طريق صلاح محسن وعلي معلول. بشكر الجميع، برحب بالمستر كارترون وبقول ما تطولش الاسئله بعد اذنكم ليه؟ لان السؤال هيترجم للعربي، بعدين الاعاده هتترجم للعربي، يبقى السؤال بعد اذنك عشان حتى الاهلي عايز ان شاء الله. تفضلوا On a eu aujourd'hui une première mi-temps difficile, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines avec l'accumulation en jouant tous les 3-4 jours. On a toujours beaucoup de mal à trouver le rythme en première mi-temps. الشوط الاولاني كان صعب زي الماتشات اللي فاتت قبل كده عشان احنا بنلعب كل 3 4 ايام فبيبقى صعب الايقاع بتاعنا. Pour deux raisons, soit parce que les joueurs qui enchaînent les matchs ont du mal à trouver le rythme en première mi-temps, ce qui est assez légitime, et parce que les joueurs à qui je donne du temps de jeu qui n'en ont pas eu mettent aussi du temps à trouver leur rythme. On a démarré ce soir avec 7 joueurs qui n'avaient pas démarré le match dernier. L'objectif c'est de continuer à monter en puissance, d'être le plus efficace possible. Ça nous fait un petit peu défaut en ce moment, donc on essaie petit à petit de progresser. Sur le secteur défensif, l'équilibre de l'équipe est très bon. Après, au niveau offensif, on sent qu'on a encore des choses à travailler pour pouvoir concrétiser plus nos occasions. وبالنسبة للمستوى الهجومي أعتقد في حاجات لازم نشتغل عليها عشان نقدر نترجم الفرص اللي بتجينا لكم. Déjà par rapport aux joueurs, c'est quand je parle de jouer tous les 3 jours, aujourd'hui on n'a pas de blessure, c'est-à-dire que on a Chenaoui, Mido Gaber et Walid Souleymane qui pour diverses raisons n'ont pas pu participer à ce match-là et être à 100%. Mais comme vous l'avez dit, entre la fatigue accumulée, entre les suspensions, à chaque match il faut trouver un équilibre et c'est pas une chose simple. Je fais avec les joueurs à ma disposition, je suis très satisfait de mon effectif. Maintenant j'ai conscience qu'on a encore beaucoup de choses à améliorer. Le principal pour moi, c'est vraiment que petit à petit, de redonner confiance aux joueurs, de redonner confiance à nos fans en ayant des résultats, parce que c'est la base pour retrouver de la confiance et de la sérénité.